Donc le pain est fait à partir de farine, d'eau, de sel et de levure. Ça, c'est une recette de base. Après, on peut l'agrémenter de pâte fermentée, de levain ou de graines pour apporter du goût. On passe à peu près 1600 baguettes par jour. C'est comme d'être curé, c'est une vocation. Et si on pouvait se passer de la voiture ? L'autoroute est le principal moyen de déplacement dans la vallée de l'Arve. Tous les jours, environ 30 000 voitures passent sur l'autoroute A40. Le Fluoniflen sera une télécabine qui montera de Maglan jusqu'à la station de Flen. Alexandra Savary est responsable de la communication de l'Office du tourisme de Flen. Pour elle, le Fluoniflen a un réel intérêt pour la station de ski. Le Fluoniflen sera un atout très très important pour la station. Donc ça sera une télécabine qui fonctionnera comme un transport en commun, on va dire, qui va partir donc de la vallée de Maglan pour monter directement jusqu'à Flen. Allez, tout le monde est prêt, on va y aller. Silence plateau, go. Parlons maintenant environnement. Autour de la table ici présente, Evan et François se sont intéressés à l'Office national des forêts, l'institution qui s'occupe de la bonne santé de nos bois. Evan, qu'avez-vous donc appris ? On s'est intéressé au métier de garde forestier. Donc on est au refuge Moyenne Anterne à 2000 mètres d'altitude où on a emmené deux classes et on a fait des ateliers par la suite sur la place de l'homme dans la montagne. Sur la nature. Travailler sur les métiers de la montagne. La protection et la préservation. Travailler sur le tourisme électronique. Laboratoire de l'astronomie.